Hello tout le monde, c'est Rouen, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau Let's Play, donc de Medal of Honor, débarquement allié. Si vous avez lu le titre, le jeu est sorti le 14 février 2002, donc pour moi je vais peut-être classer ça comme un jeu rétro, puisque ça fait quand même 13 ans à l'heure actuelle que, où je vous parle qu'il est sorti. Donc pas mal de temps, la première fois que j'ai joué c'était sur PlayStation 2 il me semble, si je dis pas de conneries. J'avais testé aussi la version PC quand elle était sortie, mais bon, vu que j'avais un peu une PC, un PC brouette, comme on pourrait dire, c'était un peu galère. Là maintenant je l'ai récupéré en fait sur Origin, il y avait un bundle où il y avait Medal of Honor dedans, donc je me suis dit pourquoi pas me le prendre, me le refaire, et pourquoi pas le refaire en Let's Play. Donc il était sorti le 14 février 2002 comme j'ai dit, développé, édité par Electronic Arts et Tech Software. C'est un FPS de guerre qu'on a pu connaître ces temps-là par tous les Call of Duty qui étaient sortis, hein, tous les jeux de guerre dont je ne pourrais pas citer tous les noms puisqu'il y en a eu tellement. Mais bon voilà, donc j'ai juste au niveau de l'histoire juste passé le briefing, le camp d'entraînement, puisque voilà, c'est juste pour vous montrer comment on tire avec une arme et comment on lance une grenade, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc là on va partir pour la première mission. On va le faire en moyen parce qu'on est des fifous. On va essayer le briefing. Lieutenant Powell, je suis le colonel Hargrove de l'OSS, le bureau des services stratégiques. Notre organisme est spécialisé dans les opérations secrètes, généralement assez loin derrière les lignes ennemies. Espionnage, sabotage, infiltration, tout cela constitue notre quotidien. Comme vous le savez, le célèbre Afrika Korps de l'armée allemande a pris pied en différents points clés au sud de la Méditerranée et renforce actuellement ses positions. Notre réaction en collaboration avec nos alliés britanniques consiste à débarquer en Afrique du Nord. Cette manœuvre a été baptisée Opération Torche. Et c'est un tournant, Powell. C'est notre première offensive à grande échelle. Ce que je vais vous annoncer maintenant est très important et connu de quelques-uns seulement. Tout ce que je vous dis ici est top secret. Les Allemands ont installé des batteries d'artillerie le long des côtes et plusieurs d'entre elles dominent la zone où nous devons débarquer. Un agent des SAS, les forces spéciales britanniques, a infiltré les lignes ennemies à Arzou, en Algérie. Sa mission consistait à neutraliser ces batteries et à donner le signal du débarquement. Nous avons perdu le contact hier et les canons sont toujours là. La capture de cet officier risque de compromettre toute l'opération. Vous profiterez de la nuit pour pénétrer Arzou avec un petit groupe de Rangers. Votre mission, détruire les pièces d'artillerie du littoral et porter secours à notre agent. Vous recevrez des instructions complémentaires une fois sur place. L'agent en question est le commandant Jacques Griot. Je le connais depuis des années. Il ne dira rien à l'ennemi, j'en suis certain. Aussi vaut-il mieux que vous le retrouviez avant qu'il n'ait à prendre une décision difficile. C'est une mission délicate, mon lieutenant, n'en doutez pas. Mais vos hommes se sont durement entraînés et j'ai toute confiance en vous. Bonne chance. Merci, merci. Donc, on va partir pour la première mission. Logiquement, si tout se passe bien, vous pourrez regarder, on va dire, une des versions assez rares. Vous pourrez regarder le jeu en 1080p, 60 fps. Contrôle allemand à 200 mètres. Donc, voilà. Technologie. Si j'ai pas de problème pour regarder le jeu en 1080p 60 fps sans souci depuis YouTube, bah. Par contre, la poussière elle est un peu petite, hein. 1080p, putain. Alors, le jeu, je l'ai fait plusieurs fois. Par contre, je me rappelle plus. Enfin, je me rappelle un peu des endroits, mais ce qu'il faut faire. Vraiment, genre là, je sais que ça va partir en couille. Il met trop de temps. Il est en train de les berner. Ne bougez pas. Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. Danke sehr. Zeigen Sie sofort Ihren Führerschein vor. Ça n'a pas l'air de marcher, mon capitaine. Ça va. Ça va partir. Hop. Voilà. Alors. Allez, mais cassez-vous aussi. Par contre, je sais plus du tout comment on prenait rien. Je sais même pas si on peut courir votre façon. Ah,
touche. Unité, feu de couverture. Ça c'est pour ça qu'au pire, ok. Ça c'est pour ça que... Dégage. Je sais pas si dans le jeu on pouvait viser. C'est un truc qui manque, hein. Sérieusement. C'est peur pour moi. On est des groupes de rangers. Ah, laissez-moi passer. F, ok. Bon, faut que je m'y remette, hein. Faut que je me remette dans le bain. C'est des potes, ça. Ça sent ma copain. Tout chemin quoi. On commence toutes les munitions, les spots. What? Et là les mecs ils passent à côté, ils le tuent même pas quoi. Ils étaient vraiment teubés les mecs dans ce temps là. Ça doit pas être moi. Qui c'est moi? Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu quelque chose. Une embuscade. C'est la guerre. Calmez son haut là. Hop. Alors je trouve quand même la difficulté assez facile hein, sachant qu'on a connu pire au niveau de niveau 2. Mais bon boss, ça va être de refaire le jeu, j'ai pas mal de temps. Bah, par contre, je sais même pas si on va m'entendre parler quand je tire la mitraille quoi. Descendre, hein. Là-bas. Ouah, 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 ouah. Putain, les mecs, ils arrivent comme ça, quoi, normal. Wouh. L'objectif était complété. Alors là, on est toujours dans la même mission. Par contre, je sais plus du tout comment ça marche. Je vais tenter de finir un épisode par mission. Je vous promets rien. Vide la map, on s'en bat les couilles. Par contre, je crois qu'il y en a en haut. Oh là là. Ça fait bizarre de revenir sur le jeu quoi. Wesh gros. Merci, il m'aurait tué à coup sûr. Suivez-moi, il ne me lâchait pas d'une semelle. Non mais toi suis-moi, t'as pas d'armes. Il était là, je le voyais même pas dans le noir. Allons-y, il va en mode commando quoi. Ah, il me semble qu'on doit tout faire péter. Qu'on peut pas aller là-bas.
Oh, merci pour la vie. C'est très gentil. Mais casse-toi, putain. Ramasser. Ils m'ont pris mes documents et mes explosifs. Il doit les récupérer, forcément. Sinon, la mission est fichue. Par contre, la musique. Je vais peut-être baisser la musique. Hop. On va le mettre là parce que je suis même pas sûr que. Qu'on va m'entendre sinon. Bon, je vais à la wagba quoi. J'avance, je tire. Ok, je peux pas ramasser. C'est fermé. Les voilà. En fait, j'ai juste hâte. En fait, le seul vraiment. Le seul moment où je me souviens vraiment, c'est vraiment le débarquement de Normandie. C'est l'un des meilleurs débarquements que j'ai fait dans tous les jeux de guerre. C'est de Medal of Honor. Alors, si on tire dans les lampes. On va les alerter, donc faut pas aller dans les lampes, ok. Ok, faut faire exploser ça, super. Ça promet. Restez près de moi, je vais vous montrer comment ne pas se faire repérer. Vas-y, je te suis, hein. Putain, c'est alcoolo, quoi. Oh, je vois que dalle. C'est pas passé loin. On va rester à la mitraillette, je pense. Oh, il y a un truc là. Game saved. T'en donnes un coup de crosse quoi. Dingue quoi, putain le mec. Il casse en mon pote moi. Putain, il y a tes papiers là. Très bien, on a les documents. Cherchons les explosifs. Par contre, je crois que j'ai perdu l'autre mec. Mon lieutenant, je crois qu'ils ont fait d'autres prisonniers. Il est parti où lui? Putain, mais le mec il monte, il descend, ça fait. Putain, les mecs, il va des endroits que j'ai déjà été, colo. Allez, rentre, bush. Pas j'en passe par là. Non, je peux pas. On arrive à les entendre de l'autre côté quoi. Hop, ça c'est fait. Bonjour monsieur. Tiens, prends une arme. Alors, il ressemble pas vraiment à celui de la photo. Enfin, quoi que non, c'est l'autre, celui de la photo. Vas-y, let's go. Bah attends, faut retourner à la porte au-dessus des mecs là pour la faire exploser. Qu'il y avait les lampes.
On va éviter de tout faire péter par contre. Bon, je vais le suivre. Hein. Je vais le suivre. Hein. Il a pas envie. S'il n'y a pas envie d'avancer, moi j'avance. Hein. Cassez-vous, ça va péter! Attention les explosions, attention! Waouh! Ah là là, ils étaient bien faits les explosions avant. Je me demandais ce qu'il faisait dans une salle noire. Rien qu'à deux quoi. Là-bas. Oh, mais ça taille pas quoi. Putain, mais en fait j'ai mon écran qui est super sombre, du coup je vois que dalle. Il va hop. Cassez-vous! Ah, attends, c'est une bombe, les deux explosent. Darmol. Garage de la fricacante. Servez-vous des explosifs qu'il vous reste pour faire autant de dégâts que possible. Hein? Pendant ce temps, je vais essayer de trouver un véhicule. Bonne chance pour nous. A plus tard. Alors faut se barrer du garage. Je me souvenais plus que l'émission était aussi longue. Hop. Toi tu dégages. À mourir quand même les mecs hein. Voilà vraiment c'était vraiment des moyens quoi. Par la lumière, non? Non! Putain, j'avais oublié, il y avait des mecs là. Attends, c'est bon, mais je l'ai mis. Thank you.
sur la terre. Ça y est, c'est vrai. Putain, mais je le vois pas, sans forêt. La précision des armes. Est-ce qu'il est l'autre sur de merde? Voilà, tranquille, y'a plus rien. Oh putain, putain, cassons-nous. Waouh! Oh merde, pas plus de munitions! Putain, mange ma grenade! Casse pour lui! Alors il faut de la vie là. Ah. De la vie. Putain le bâtard il s'est visé hein, je l'ai. Enfin c'est surtout bien scripté. Pas un truc à faire aussi. Putain, mais il y en a partout quoi. Non. J'y étais quoi, j'y étais. Putain, j'ai beaucoup de mecs. Abusé quoi. Voilà. Putain. C'est juste abusé cette mitraille quoi. Allez, montez, on s'en va. J'aurais bien voulu avoir de la vie moi. Alors je vais tenter quand même de finir la mission complète dans un seul épisode, sinon ça va être le chambou, ça va être chamboulé dans... Et what, c'est qu'il vient de dire dessus. Putain,
d'accord, fallait tout détruire. Bah, déjà, ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, coco! Let's go, bitches! Oh. J'ai une tire de roquette là. Montez. Ça va être chaud là. Ce genre de mission, je déteste. Tenez-vous prêt, Powell. On approche du terrain d'aviation. Il faut se faire gaffe vraiment à tous les alentours. C'est HP quoi, what the fuck? Mais lol! En même temps, je me suis mangé une roquette quoi. On va faire un petit dernier essai avant que vraiment que l'épisode dure trop longtemps. Sinon c'est pas grave, je m'arrêterai ici. Ouais, il se cache au code dans ce truc. Enfin, j'ai du mal à me cacher dans une situation comme ça. Mais... Bon, enfin, je vais savoir où est-ce qu'ils sont. Là, il y en a rien. Attends, ça changeait. Non, ça changeait. C'est le bordel. Plus d'HP que tout à l'heure, mais c'est toujours autant le bordel. Putain, il reste déjà plus que 15 HP, sans sérieux. Je sais pas où. Ah, nous indique le terrain d'aviation. Que dalle dans le nord. Bon, c'est pas grave, je vais m'arrêter ici, les gens. Pour ce premier épisode, sinon, vraiment, ça va durer trop longtemps. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo, rejoindre la chaîne de Facebook, de Twitter. N'hésitez pas à donner vos avis sur ce display. Je sais que ce jeu a fait. A beaucoup plu à beaucoup de personnes que je connaisse, en tout cas. En tout cas, j'espère que pour vous ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas donc à commenter et donner vos avis. Je vous retrouve très bientôt pour ce second épisode. Portez-vous bien et à bientôt.